Bonsoir, nous présentons Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui, mardi, le 6 mars. Système taxe progressive pour prendre l'effet un mois plus bonheur, salaire de base et pension pour dimonaser pour augmenter l'année prochaine et si pas pour Assomption, il est 3-6 qui est président Danifor, il a adressé dans son discours l'État, la nation qu'il fait devant l'Assemblée nationale. Monsieur Nicolas Préa, il s'est monté comme un nouveau speaker à l'Assemblée nationale et Monsieur Ahmed Afif, il s'est monté comme un nouveau député speaker. Nouveau membre électé pour le district Anse-Boileau, M. Philippe Arisol, il est aussi prêté serment devant l'Assemblée nationale. Et à l'étranger, dans le pays voisin, Sud-Afrique, il bat l'importation de produits la viande sortie Sud-Afrique après qu'il y ait 190 personnes immortes avec bactéries Listeria. Nous passons aux bons détails. Président Faure, il remet l'emphase, l'importance pendant sa facilité Assomption. Il dit sa facilité militaire pour dans l'intérêt CCL et pour donner protection Bandil qui situé pli dans Sid avec Maé, inclus Aldabra et qui pour nécessaire on en l'étude de l'impact l'environnement avant qu'il s'appose. Il fait président Faure type cause dans discours l'État la nation qu'il fait dans l'Assemblée nationale un petit peu de temps passé. Président Faure il demande bonne membre l'Assemblée nationale pour donner autre approbation pour ratifier l'accord qui Cécile et Clenin signé pour construire facilité militaire aux îles Assomption. Construction sa facilité pour gagner financé par gouvernement l'en et pour gagner gérer conjointement par SPDF et la force navale l'en pour 20 ans. Assomption y restait pour Cécile et pour tous Cécilois. La terre de l'Assomption n'a pas ni van ni passe-by avec le gouvernement l'en. Monsieur le Speaker, accompagné par le ministre pour la paix, chef la force défense et attorney général, mon petit visite à Assomption pour la première fois le 4 décembre 2017. Mon capable dit aujourd'hui comment chef d'État et comment commandant en chef la force défense est clair pour moi qui dans l'intérêt Cécile prenant et facilité les îles Assomption. Monsieur le Speaker, gouvernement Cécile et gouvernement Len ici un nouveau agrément le 27 janvier, ça l'en est. Et en lien avec nos constitutions, pour que ça l'agrément est capable d'entrer en opération, il besoin gagne ratifié par l'Assemblée nationale. Monsieur le Speaker, suivant une demande formelle que l'Ombudsman fait avec moi, vendredi le 2 mars, après-midi, le 6 ça l'agrément qui a signé entre le gouvernement Cécile et le gouvernement Len, dans l'esprit la transparence, je soumet avec lui tout bon document nécessaire lundi le 5 mars. Pendant le mois d'avril, ça l'en est, je pour soumettre l'agrément avec le speaker de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je recommande avec autres. Honorable membre de l'Assemblée nationale, pour donner notre support à poser et ratifier sa agrément qui est dans l'intérêt Cécile. Dans le cadre d'efforts gouvernement pour réduire le coût de la vie et mettre plus l'argent dans l'homme cécélois, le président Faure annonce plusieurs mesures. Parmi, il y a l'augmentation de 100 roupies dans le salaire minimum et aussi dans la pension retraite de Bandimoun Aze qui peut prendre l'effet à partir de janvier 2019. Il a aussi dit que la dernière phase taxe progressive, le salaire pour à présent gagner implémenté un mois plus bonheur. Président Faure indique qu'il basait la performance revenu sa premier deux mois en 2018 et accélération qui commission revenu in fait en préparation l'implémentation dernière phase taxe progressive le salaire gouvernement décidé qui sa poids présent gagne implémenté un mois plus bonnet à partir des premiers 2018 au lieu les premiers idiotes. Comment un pays qui importe la majorité de choses qui nous consomment? L'augmentation d'un prix marchandise, le marché international, il automatiquement fait une augmentation d'un prix marchandise ici Cécile. Prix dollar,
y a aussi impacté le nos marchandises, les y arrive Sicile. La quantité de carburant qui nous servit l'année passée a augmenté. En 2017, nous dépensons 72 millions de dollars pour l'importation de ce carburant. Si le prix carburant, le marché international, il restait haut, nous avons besoin beaucoup plus que 72 millions de dollars. Le temps de demande pour les devises augmenter, le prix aussi il tente pour augmenter. Et nous voyons nos roupies déprécier. Dans sa dernière 12 mois, le prix dollar a augmenté par 2%. Ça, il arrive principalement à cause du niveau de l'importation, il aussi continue à augmenter pendant sa même période. Monsieur le Speaker, dans sa dernière année, il y en a beaucoup qui le gouvernement fait pour réduire le coût de la nécessité de base, telles que manger, la santé et la case, avec bien réduit le coût de la vie. Pareil, les autocourants, Vietin a tiré le tout commodité de base et dernièrement le plaisir les autres produits. Dans les efforts pour réduire le coût de la vie, le gouvernement a décidé pour partir les premiers idées de Salanais, si taxe commerce, l'Olens, pour venir 0%. Président Fort, il a aussi dit que suivant discussion que le gouvernement fait avec Ayoti, qui fait gagner un nouveau chef exécutif, ils ont décidé pour réduire le prix ton dans la boîte le marché local par 5 roupies à partir du 1er avril salonnais. Et l'autre quelque chose que le gouvernement finit de commencer, c'est pour encourager nos banques importateurs pour faire venir quelque chose sorti de ban nouveau marché. Par exemple, suivant visite qui m'ont fait Kenya, l'agence responsable a visité et a confirmé qu'il nous capable importe manger sorti là-bas. Aujourd'hui, Kenya, il y a une nouvelle source l'importation. Le gouvernement il aussi commence sa même démarche l'Éthiopie. Nous souhaitons c'est qu'en utilisant ban producteur plus près avec nous, coût transportation va moins et ça y a aidé réduit prix. Prix la vie y impacté plus le dimon qui en ont un salaire plus bas et là président Fort il dit que gouvernement il décidé pour à partir les 1er janvier 2019 augmente salaire minimum par 200 roupies pour venir 5250 roupies par mois et aussi pour augmente pension retraite ban citoyen azé sorti 5050 roupies pour venir 5250 roupies par mois. Congé maternité peut augmenter par 2 semaines pour les 16 semaines en tout. Et congé paternité pour un papa, une doublé sorti 5 jours pour 10 jours. Ça pour à partir du 15 mai salonnais. Et président Faure, il fait ça l'annonce dans son discours l'État la Nation qu'il fait aujourd'hui. Toujours la famille, président, il annonce 4 projets qui dit pour aider à améliorer la vie de Dimona Azé. Ça y plus formation pour bonne care pour se plus bien prendre soin avec Dimona Azé et construction l'endroit resté et détente pour bonne Dimona Azé. Concept un day center pour adulte, il permet bonne Dimona Azé en un endroit pour pas autre la zone ensemble en groupe. Pour si en a Dimon pour prendre soin avec autres. La terre pour gagner mettre à disposition secteur privé pour qu'ils autres construisent et exercent à bonne l'établissement. Et l'État pour payer pour sa service. Home for the elderly. Il y a l'endroit que les gens indépendants sont capables de rester ensemble. L'État aujourd'hui, il y en a 9 homes for the elderly dans plusieurs districts, mais il n'y a pas assez. Monsieur le Speaker, il est très encourageant que le diocèse anglican il prend sa initiative pour bâtir un home for the elderly. L'Union. Le gouvernement aussi peut mettre la terre à disposition du secteur privé pour qu'ils aient construit et aient sa bonne l'établissement. L'endroit que les gens ont besoin plus l'attention pour préparer ce qui nous a dit nous en contre l'hôpital Notice Point et ce qu'on appelle nursing home en anglais. Encore, le gouvernement peut mettre la terre à disposition du secteur privé pour qu'ils autres construisent et aient sa bonne l'établissement. Je suis content d'annoncer que le business qui établit sa 3 facilités
qui m'ont mentionné, pour nos citoyens aisés, avant l'année 2021, pas pour besoin paye business tax pour premier 10 ans de l'existence. Président Faure, il annonce plusieurs grands projets d'infrastructure et ça inclut l'agrandissement port qui pour coûte 34,7 millions d'euros financé par la Banque d'investissement européen Agence France de développement et un deuxième câble sous-marin qui est dit pour financer par la compagnie Airtel qui ben voilà c'est gouvernement nouveau générateur électricité qui pour masse avec gaz et un projet qui pour arrive 2,16 millions de dollars. Et après, il y a un projet tunnel qui peut connecter Cascade avec Grand Tensmae et aussi un tunnel qui peut connecter Beauvalo avec Rivière Anglaise et construction un nouveau dam Grand Tensmae. Le temps est typé cause le projet dam. Président Faure fait ressortir qui demande pour dès lors une augmenter en vie quantité de touristes qui peut augmenter et développement qui peut arriver dans le pays. Le temps est arrivé pour nous concentrer beaucoup plus sur nos sécurité dès lors. Posé pour augmenter la capacité d'un dam la GOG, il commençait. Gouvernement inécouté et nous décidons pour construire un autre dam dans le district Canton-Smaï. D'après l'étude, sa dam est estimée pour coûter 80 millions de dollars. L'année passée, mon petit partage avec vous autres une proposition pour nous construire des tunnels. Mais mon petit dit qu'il nous a besoin de faire l'étude pour voir si faisable ou bien non. Aujourd'hui, mon tia compte a annoncé que ça l'étude d'une gagne complétée et possible pendant un tunnel entre Cascade et Grand Tensmae et un entre Beauvallon et English River. Pour commencer, nous pouvons construire un premier tunnel entre Cascade et Grand Tensmae. Ça pose pour créer une conduite pour l'auto, de l'eau, électricité, des SAS et télécommunications qui pour aider l'économie vienne plus efficace en général et réduire coût opérationnel pour bande business. En plus qui ça, et pour fournir matériaux construction pour secteur construction inclus construction sa nouveau dam. D'après estimation, ça posait pour coûter environ 54 millions d'euros. Président Faure aussi cause le projet qui pour créer plus l'endroit pour faire business, pour divertissement et aussi logement. Il a proposé Victoria Waterfront, côté ancien zone des enfants, côté pendant un développement qui pour inclure restaurant, kiosque, la boutique et aussi 120 appartements qui pour vendre zis avec citoyens CCL. Il y a aussi un ancien nouveau endroit, le Maïk Pralin, qui a identifié pour faire comblaz. Président Faure dit qu'il s'approche Comblaze pour coûter 67 millions d'euros et financer pour faire et financement pour faire à travers les bilatérales, secteur privé et aussi individu. Nouveau Comblaze pour servir pour faire semer activités touristiques, industrielles et aussi la case. Premièrement, l'endroit autour l'île Odoul pour créer un superficie 5 hectares la terre en plus. Ça pour aider avec développement Victoria Bypass et aussi pour incorporer développement Victoria Waterfront. Nous pouvons agrandir l'île Aurore par 19 hectares pour un développement touristique et résidentiel. 40 hectares pour gagner combler dans vicinité Providence pour créer plus la terre pour activités industrielles pour petits et moyens business. L'endroit devant station production électricité PUC, c'est-à-dire Rouge Caïman, entre swimming pool avec ancien base Coast Guard, ça y a créé 8 hectares, principalement pour production électricité dans les Fiti et aussi lié avec l'agrandissement Nouport. 10 hectares pour gagner combler Grand Temps Parlin. Principalement pour les marina, activités touristiques, les autres activités économiques et logements. Ça, pour gagner faire devant le côté la pointe, côte croiser ses mains pour monter vers le lumière. Par une faire ressortir, président Faure présente son discours de l'État de la Nation dans l'Assemblée après-midi.
et l'Assemblée pour rejoindre vendredi 9h, côté dirigeants affaires gouvernement et aussi dirigeants l'opposition pour donner autres réactions le sa discours l'état la nation. Nous à présent à la voix cérémonie qui est passée côté l'Assemblée, ça ti beau matin. Amène l'Assemblée nationale le un pli au niveau et vision nouveau speaker de l'Assemblée nationale Nicolas Préa et c'est monsieur Ahmed Afif qui remplace monsieur Préa comme nouveau député speaker. Tous les deux sont proposés par bon membre l'Assemblée nationale. Tous les deux membres qui prêtent serment dans cérémonie contre l'Assemblée nationale qui fait bon matin. Il fait presque un an et demi depuis que monsieur Nicolas Préa une position député speaker l'Assemblée nationale et monsieur Patrick Pilet comme speaker jusqu'à qu'il démissionne le 29 janvier salanin. Avant que première session l'Assemblée nationale pour salanin y commence, un nouveau speaker il gagne appointé. I Nicolas Préa do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution of Seychelles and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Seychelles. So help me God. Comme un nouveau speaker, monsieur Nicolas Préa indique qu'il a envie d'emmener sa 6e l'Assemblée le un l'autre niveau. Là nous pétit nous pour lever l'Assemblée nationale à l'autre niveau. L'Assemblée nationale, il y en a l'autre façon encore par exemple pour lui prendre son travail, bouger et pour nous capable délivrer. Expectation publique est très très haut dehors. L'État est en dehors de nos contrôles. Bon, l'événement qui est arrivé, qui nous fait, qui nous gagne le temps, mais il bon, l'événement qui nous pas capable d'empêcher d'arriver, il est arrivé et nous fait tout bon procédure d'après la loi. L'Assemblée a aussi appointé un nouveau député pour remplacer lui et ça, il m'a électé pour le district en étoile, M. Ahmed Afif. M. Afif, tu es aussi prêt serment devant l'Assemblée pour son nouveau position. I, Ahmed Afif. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution of Seychelles, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Seychelles. So help me God. Position speaker et que député speaker l'Assemblée nationale, il finit prend l'effet après que tous les deux membres in prête ses mains. Problème logement dans le district Anse-Boileau, il y a un problème primazère que M. Philippe Arisol pour adresser, là qui est membre électé sa district dans l'Assemblée nationale. M. Arisol, tu pourrais être seulement bon matin dans une session extraordinaire qui se fait écouter l'Assemblée nationale même. I, Philippe Arisol, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution of Seychelles and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Seychelles. So help me God. Membre électé pour district Anse-Boileau, M. Philippe Arisol, il nous a dit bon matin prêt serment contre l'Assemblée nationale. Il y fait ça de présence membre de l'Assemblée nationale, son famille, ex-ami et aussi médias. M. Arisol, il y a parmi trois candidats qui ont contesté de l'élection partielle qui ont fait dans district Anse-Boileau. Il y remporte 1231 votes parmi 1500 votes. Là, qui est membre de l'Assemblée nationale pour district Anse-Boileau, M. Arisol, pour premièrement adresser problème logement de son district. En ce moment, il y a un casse problème qui nous a redressé. Il y a une famille 15 du monde qui est dans la case, 3 la somme, qui n'est pas acceptable. Donc, nous avons besoin de rouler côté de l'endroit qui est capable de faire la case pour le monde en ce moment. Oui, il y a un qui peut gagner fait là actuellement, mais ça ne va pas préparer comme il y a. Et aussi, il faudrait ben du monde aussi, autres, bouger, taper la porte, rouler. M. Arisol a aussi fait sortir qu'il souhaitait qu'il support ben di moun Anse-Boileau pendant son temps comme membre électeur sa district. Et quand c'est quelque chose qui nous besoin travailler là, son m'a pas ben di moun tout seulement capable de faire tout. Ça dépend le ben di moun Anse-Boileau, il faut de les autres tout support moi comme ça nous capable voir solution pour ça bon problème ensemble. Et M. Philippe Arisol pour membre électeur district Anse-Boileau jusqu'à prochaine élection. Dirigeant pour les affaires gouvernement dans l'Assemblée nationale, Charles Ducoumamon, il félicite tous les trois membres dans ce nouveau poste et dit qu'il y a un moment historique pour capable d'emmener la démocratie plus devant. Pour nous capables de transformer l'Assemblée nationale comme l'institution et aussi mettre, si nous capables de servir à mon Lord, dans nos secrétariats. Comme si faire que le secrétariat est plus performant. Et où on connaît, avec sa vision qu'on a, on connaît des gens qui travaillent dans l'ordre, la discipline, dans l'honnêteté. Et on croit dans où, on croit qu'on peut appliquer aussi fairness. Et ça, on croit, est important.
Le son côté, dirigeant l'opposition dans l'Assemblée nationale, Wevel Ramkalawan, tu aussi félicite nouveau speaker, député speaker de l'Assemblée nationale, les autres nouveaux appointements, et tu aussi accueille nouveaux membres électés pour l'historique Hans Boileau dans l'Assemblée nationale. Nous qui sommes là dans l'Assemblée pour beaucoup plus l'année, nous connaissons qui vous dit si pour nos familles, il est important en quantité. Alors, débout le son côté et tenez-le ferme. Mais moi, ça va content aussi, Mr. Speaker, exprime parole d'appréciation pour un activiste en ce moment-là qui vient ici aujourd'hui pour trouver un nouveau honorable, l'état est prêt de ses mains. Il cause beaucoup avec vous pendant la campagne et moi, je n'ai pas aucun doute qu'il peut dire ensemble avec lui et c'est l'esprit qui en a, je suis capable de faire. District en ce bois-là, vin un district qui joue son rôle à plein dans le développement du pays et bien sûr, côté son population, il y a gagné ça l'épanouissement. Nous quittons CISE l'Assemblée nationale, nous passons les autres CISE. Une soixantaine d'immunes qui assistent à rencontre publique le CISE Zil Assomption qui ne fait en soyal après rencontre qui ne fait pralé avec la digue pendant le week-end. Rencontre en soyal et commencement une série de rencontres qui vous fait dans différentes régions Lomaï. Pareil, une fait de mon rencontre récemment le Sassizé, après présentation lieutenant-colonel Benoiton, la nécessité de sa facilité militaire, et aussi présentation ambassadeur Barry Ford, le salagrément entre Cécile avec l'Aine, mon public est capable de demander question. L'Aine n'est pas rien sur le parole. Il y a un exemple dans l'Aine, quand il prend Casmir, par tout côté de la guerre, pas sorti. Si il refuse de sortir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous apprécions pour dire l'Aine, il y a une démocratie. Et très, il y en a la cour par exemple qui est extrêmement puissant. So, nous pouvons anticiper aussi que si en cas c'est celui qui termine cet agrément, qu'il l'aide pour refuser parce que l'aide est là pour donner l'assistance d'après cet agrément. Bah, vous connaissez tout bas une idée, mais c'est un mille nautiques pour vous aider à distance avec. Ça me compte ça très bien. Mais bon, PC qui vous la pêche de sa bonne zone, je ne peux pas vous réaffecter. Mon bateau, si vous avez un problème là-bas. Il peut gagner le roi, coster, et la loi pour demander ses coups, base militaire. Là. Nous qui pouvons là. Donc, vous pouvez venir, pendant aucun problème avec le bateau, par exemple, si vous êtes sorti, vous êtes l'aide, vous pouvez venir, l'eau, ça va nous faciliter pour nous aider. Ruby de Silva est un citoyen concerné. Il dit qu'il vient sa rencontre pour lui gagner plus d'informations. L'exercice qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils nous la voient? Ils peuvent attendre, ou soit tout y dépend de ce qu'ils ont mené dans l'Assemblée qui peut voter. Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, ambassadeur Barry Ford, indique que c'est l'agrément entre l'un avec Cécile qui peut passer devant l'Assemblée nationale pour être ratifié. Il fait ressortir qu'il s'approche des facilités militaires, il y a un qui accorde de stades de discussion et n'a pas aucun plan qui ne finalise. Il dit qu'il y a un conseil qui est un public qui met devant pour le comité qui peut travailler le s'approcher. Il y a un léocri par SAF pour quelque chose qui est fait pour prothèse Aldabra. À cause souvent, il y a un malfaiteur qui vient, il exploite Aldabra. Il y a un pirate qui vient là-bas, Aldabra. L'eau qui nous tombe au bateau, qui nous dit quitte Assomption. Il y a un problème réel qui nous fait face avec pas à cause qui arrive en 2009, qui n'est pas arrivé encore, dit tout. Alors nous avons besoin de prévoir quelque chose. Vice-président Vincent Mériton, tu aussi peux répondre à une question, mon public. D'après le code international, l'aide l'agrément des pays qui tous certains domaines sensibles militaires ou pas mettre dans le public domaine. Comprends ça? Mais seulement. Nous besoin qu'à discuter avec nos bons partenaires et un de nos partenaires fidèles, c'est l'Assemblée nationale qui nous besoin discuter. Et l'Assemblée est satisfaite sur les corps pour dire quelque chose, il y a bof bord qui c'est celle, pas faire non, il y a derrière les douceurs. À part ben Zimoun de sa région, tu aussi en a Zimoun qui peut suivre sa meeting pour mettre tout conseil devant. Prochaine rencontre de Sassizé pour région Nord-Mahé et pour faire Beauvallon.
dans une démarche pour se rétablir les autres dans notre pays natal, dans notre gossien Maurice et aussi Cécile, il y en a l'espoir qui est un jour pour capable retourner aux autres îles. Ça y suivre sa mission qui Cécile fait devant la Cour internationale la justice pour supporter Maurice les conséquences légales séparation Chagos avec Maurice en 1965. Campagne qui communauté Chagossier Maurice et Cécile peut faire pour être capable de retourner aux autres îles, une bouse loin l'autre l'étape. Cécile a décidé de faire une soumission devant la Cour internationale la justice pour supporter Maurice les conséquences légales séparation Chagos avec Maurice en 1965. La Cour internationale la justice pour donner notice qu'on l'a pour que tout bâtisse légal qu'on a pour faire avec bien-être, compensation et aussi possibilité pour que Chagossier retourne aux autres îles. Représentant la communauté chagossienne Cécile, M. Pierre Prosper, il dit que sa soumission est un grand pas en avant pour la communauté chagossienne. Nous avons lobby gouvernement pour plusieurs mois, qui ont mis une submission de l'International Court of Justice, le NUPA. Il existe d'autres qui ont fait ça, l'État qui a fait ça, à ce qu'on parle avec le comité, qui est capable de faire la représentation de l'ICJ. Nous sommes très, très contents qu'ils aient fait ça et qu'ils puissent aider un grand pas devant le qu'il est ICJ fini faire notre advisory note tout avec les Nations Unies qui communauté CCL ils pour gagner mon chemin et ne pas pour gagner ignorer. Dans un communiqué la presse, secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Barry Ford, il dit soumission CCL y exige que la voix communauté chagossienne qui reste CCL y besoin qu'on y prend en considération pendant sa processus judiciaire. Sa bandi moun, y en a un lien et rattachement réel avec la CPL Chagos. Zot in sibi beaucoup humiliation pendant zot demas pour zot regan y zot banzil. Et M. Ford, il dit qu'il sort sa bande chagossienne, il mérite qu'on y prend en considération de n'importe qui forum le s'assiser au niveau international. Et M. Prosper dit qu'il souhaitait que la décision des Nations Unies ait dans autres faveurs. Le côté de la communauté, nous respectons les autres qui ils disent au gouvernement anglais, au folie, qu'un resettlement est besoin de faire. Ils ont besoin de faciliter ça. Et au folie, mettre les lois stars qui sont sustainable en termes d'existence de la communauté là-bas. Et aussi, possiblement, une propre compensation. Maurice de Agrien, c'est moi qui ai mal fait, pas assez, du ministre de la propriété, mais c'est moi qui suis spécialement CCL, j'amène des Agriens ici. So, possiblement, il sera aussi capable de sortir dans sa advisory notice. La Cour internationale de la justice, ICJ, pour donner son opinion au SACAV vers milliers salonnais. Bureau président, il annonce l'appointement de M. John L'Espérance comme conseiller spécial ministre pour l'éducation avec développement ressources humaines. M. L'Espérance est jusqu'à tout dernièrement un spécialiste de l'éducation pour l'Université Vitiel pour un petit état Commonwealth Canada. Il est dans sa poste depuis janvier 2009 jusqu'à décembre l'année passée. Il y en a une maîtrise degré dans l'éducation technique et vocationnelle pour l'Université Bolton, Grande-Bretagne. Et c'est là aussi que nous arrivons à la fin du bulletin pour aujourd'hui soir. Mais je vous remercie beaucoup pour l'attention.